Moi, je suis intéressé par tout, en fait. J'aime ça avoir la sagesse de chaque personne et je ramasse plus tout d'une même personne. Parce que quand on prend tous les enseignements d'une personne, on est en train de suivre quelqu'un qui se cherche. Pensez-y, là. OK, à main levée, qui se cherche ici? Levez la main. Good! Moi aussi. Ah ouais? Et je me trouve de plus en plus. Mais ce que je trouve évolue, change, se transforme. Et si je me cherche, puis j'arrive ici dans un moment où est-ce que les gens m'aiment énormément, puis je tombe dans ma tête, dans mon ego, paf, je viens tomber à côté de la plaque. Et je perds mon sens. Je me suis pris trop sérieux. Et pourtant, moi, ma qualité vibratoire facile, c'est la joie. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est la meilleure version de moi-même. Mais si je monte trop à ma tête, si je tombe trop dans mes connaissances, si je suis ici puis je nourris ça, je suis pas là. Puis le but, c'est pas juste d'être là. Le but, c'est d'emmener ça avec ça, avec ça. C'est beau, hein? C'est de filer l'espace, filer le moment. Ça, là, ça qui nous traverse, là. Ça, ça, regarde, écoute, regarde, entends, ressens. À Paris, mon âme fait l'expérience de mon esprit à travers mon corps qui transpire, qui s'autorégule d'instant en instant. Il y a quelqu'un qui est tanné, qui s'en va. Vous riez parce que je viens de dire quelqu'un qui est tanné, qui s'en va. Bon, donc pas à la bonne place encore une fois. Est-ce que je peux juste m'observer sans me prendre trop au sérieux et kiffer l'instant? Même si je ne suis pas dans la meilleure posture devant un public français, on n'a pas besoin d'attendre d'arriver à quelque part pour la kiffer l'instant. Il faut avoir l'intention de la savourer. Il faut avoir l'intention de recommencer à danser avec la vie. Et quand on commence, peux-tu me remettre ma slide, s'il vous plaît? Quand on commence à comprendre, le but de la vie, c'est de savoir s'adapter. Danser, surfer. Et parfois, c'est la jouissance. Woohoo! Et parfois, c'est la souffrance. Et le problème, c'est qu'on ne la veut pas, la souffrance. On ne la veut pas, la contraction. On ne la veut pas, la résistance. Oui, mais si je n'avais pas souffert, je n'avais pas eu de résistance sur la scène du vieux clocher de Magog, je n'aurais pas été applaudi pour ça tout à l'heure. Et j'en passe, j'ai fait faillite, j'ai eu un accident de moto, j'ai été un an invalide, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Je me suis fait traiter de gourou. Il y a plein de choses qui sont arrivées en cours de route. La résistance, c'est le guide, la gang. Il faut arrêter de la diaboliser, la résistance. La résistance, c'est elle qui nous guide.